Donc bonjour à tous, toujours sur BFR, sur le spécial festival avec des festivalières. Donc bonjour, donc on a Hélène. Et Béatrice. Donc Béatrice, vous avez fait combien de films, et Hélène? On a vu trois films pour le moment. Trois films. Excellent. Alors c'était quoi? Moi je suis Sing Street. Ok. Away. Ouais. Et This Beautiful Fantastic. Ok. Et ces trois films-là, pour cette année, on a commencé comme ça. On est ravis de la programmation. On a été séduites trois fois. C'est vrai? Oui. Alors, lequel est le préféré? Bon, le dernier, enfin le Fantastic Fantasy. Beautiful Fantastic, il est un petit peu particulier. C'est un peu un conte, donc on ne peut pas tellement le comparer aux autres. Mais c'est un conte merveilleux. On a besoin de belles histoires aujourd'hui, donc c'est formidable, un joli film, très joli film. Sing Street, c'est celui avec les collégiens qui montent un groupe de musique. Donc là, c'est dans un contexte difficile, une histoire d'amitié et puis une histoire de jeunes qui veulent aller au bout de leur passion. Et c'est aussi plein d'enthousiasme et plein d'espérance. Donc un beau film aussi, malgré les difficultés de ces gens. Et Away ? Oui, c'est un film beaucoup plus dur sur la rencontre de d'un monsieur qui paraît âgé, qui est suicidaire, donc un peu paumé, et d'une jeune ex-junkie, un peu poursuivie par son dealer, ou je sais pas, ouais. Et donc c'est un peu dur, un peu noir, mais plein d'optimisme là aussi, et une belle rencontre. Belle rencontre, voilà. Ouais. C'est votre premier festival? Non, c'est le troisième. Et alors, pourquoi vous êtes venu ici? Parce que nous sommes, d'une part, nous sommes dinardés d'adoption. On réside souvent ici pendant l'été, la belle saison. Cinéphile. Et ça nous permet d'organiser des beaux grands week-ends avec de nombreux amis. Et on partage tous ces films ensemble. Donc on en parle au cours des Un vrai moment de partage. Voilà. Un vrai moment, ça sert à ça aussi, un festival. Voilà. Les films, là, sont de belles rencontres. Ceux qu'on a vus proposent de belles rencontres. Et nous, on vit des belles rencontres puisque le week-end, on partage avec des amis ici. Moi aussi, je vous rencontre. Voilà. Donc que des belles rencontres. La vie est faite de belles rencontres. Bah, je vais vous laisser. Je sens que vos amis vous attendent. Merci. Donc, au revoir. Et bonne projection. Merci, au revoir. Donc, bonjour, bienvenue sur BFR, sur la spéciale festivalier. Voilà, on est avec trois jeunes festivalières. Il y a qui parle pas. Moi, j'y suis pas allée encore. Pas allée encore? Non, j'arrive juste. Ils ont pas réussi à vous convaincre, les deux collègues? J'arrive de Normandie. Normandie, ça va démarrer maintenant. Voilà. Il y a, comment vous appelez? Christine. Et Stéphanie. Et vous êtes allé voir quoi? Alors, on est allé voir deux films en compétition, Moondogs et Away. Ouais. Alors, Moondogs, c'était bien? Vous avez aimé? Oui, on a aimé les deux. Donc, Moondogs, c'est un voyage initiatique de trois jeunes. Une évolution dans leur relation. Voilà, ça se passe dans les îles Shetland au départ, et puis ils vont arriver à Glasgow. Donc voilà, un voyage qui va les transformer. Donc on suit les trois personnages qui sont différents, qui n'ont pas les mêmes parcours de vie, et puis c'était intéressant. C'était intéressant, c'était bien. Ouais, c'était vraiment bien. Super musique. Vous êtes les premiers que je rencontre qui ont vu Moondogs. Qui l'ont aimé, parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui l'ont pas aimé. Alors tous ceux que j'ai vus ont toujours aimé les films. Ah, ouais. Peut-être qu'ils mentent. C'est vrai que la musique a une grande place dans le film. C'est quoi comme type de musique? Expérimental un petit peu. Ouais. Et donc avec mon accent. Mais... c'est un peu plus, c'est un film un peu plus social. Pareil, en fait, il y a deux parcours, une jeune fille, paumée, avec une vie chaotique, qui en fait rencontre un homme plus âgé qui lui aussi est paumé. Quoi. Mmh. C'est deux paumés qui se rencontrent, mais pas de la même génération, et qui vont se soutenir en fait au fur et à mesure du film. Ça se passe pas d'emblée. Leur vie vont se croiser un peu par hasard, et puis c'est un film qui est monté avec beaucoup de flashbacks. Enfin, c'est tout. D'accord. Il faut arriver à repérer. Ça c'est dur, ça, des fois. Ouais. Faut bien se concentrer. Se rappeler où on est, présent, passé. Ouais. Et vous avez aimé aussi? Oui. Les gens que j'ai vu tout à l'heure ont aussi beaucoup aimé. Ouais. Et le programme après, c'est quoi alors?
Alors là, on va aller voir. Comment c'est ? Chubby Funny ? Ouais. Il y a des bons retours dessus ? Non, j'ai pas eu de retour dessus. Mais moi, je veux dire, j'ai des bons retours dessus. Ah oui, voilà. Et puis après, Prevenge, ça ? Prevenge ? Prevenge ? Ouais. Voilà. Ok. C'est votre premier festival ? Non. Moi, je suis à Saint-Malo, donc l'année dernière, je suis pas allée, mais avant, il y a 2 ans, on était allé, on avait vu pas mal de films. Et donc, votre impression sur l'édition de cette année ? Bah, moi, je trouve que c'est la sélection pour l'instant, elle est bien. On a vu aussi en avant-première War on Everyone, celui-ci-là. Avec deux flics pourris qui finalement. Et apparemment, c'est super. Une bonne cause. On m'a dit que c'était un film à la Starsky Hutch. À la Tarantino, un peu aussi. Il y a un mélange de Tarantino et de Starsky Hutch. C'est deux flics déjantés, C'était pas mal. C'est sa façon d'arriver avec sa voiture. Voilà, c'est d'autres festivaliers qui ont dit ça, c'est la Starsky Hutch. Ouais. Ils en parlent même dans le film, je crois, à un moment. Il la voiture avec la bande blanche. Et un petit clin d'œil. Ouais. Mais il paraît qu'il est super celui-là, il est pas mal. Ouais, il est sympa. Après, il est, c'est un petit peu un mélange de comédie et de quand même un peu de chronique sociale de l'Angleterre, quoi, aussi. Quoi. Enfin, c'est des films qui sont quand même pas très. Pas très gay, quoi. Sur des choses assez violentes, quand même. Assez, Un peu sombre, mais c'est un peu l'Angleterre d'aujourd'hui, de toute façon. Plutôt dans. Dans les premiers. Oui, ça fait penser aussi à This Is England, tu vois. La série, j'avais vu il y a 34 ans ici au festival, là. Parce que dans les premiers Ken Loach que j'avais lus, ben, par exemple Rolling Stones, c'était à la fois chronique sociale, mais il y avait beaucoup d'humour aussi. Il y avait des situations assez cocasses et assez. L'humour et. Non, il n'y a pas beaucoup d'humour. Il n'y a pas beaucoup d'humour. Ouais. Hein. Je ne dis rien, ils sont en plein débat. J'écoute. Et vous avez. Celle qui joue le rôle de la jeune fille, là, elle est assez pétillante quand même, mais c'est quand même sur des faits très sombres. En fait, elle est pétillante parce qu'elle aime la vie et qu'elle résiste, elle est en résistance. Et vous êtes allé voir un peu le jury, vous essayez d'avoir le jury un peu ? Non. J'ai vu passer tout à l'heure, en sortant de la salle, ils étaient allés voir Sing Street, qui paraît est très bien. Oui. Les gens qui ont vu juste avant vous, le film primé apparemment qui est pressenti. Les gens qui ont vu juste avant vous, ils l'ont bien aimé aussi. Ah oui. Voilà. Et donc ils sortaient, je les ai aperçus. Mais on n'a pas encore mangé de plateau de fruits de mer avec eux. On attend peut-être demain soir. J'ai essayé mais j'ai pas pu. Vous avez fait masterclass non ? Pas de masterclass ? Vous avez pas essayé ? Ah bah non, on n'a pas les. Ils sont là. Il y en a une avec Claude Lelouch dimanche matin. Ah oui. Ah mais alors dimanche matin ça va pas être facile. Et là, il y en avait une sur Rémi Julien où je suis allé hier qui était vraiment top. Voilà. On a appris qu'il n'aimait pas casser les voitures. Ah oui. Alors vu les voitures qu'il a cassées. C'est clair. Écoutez, je vous remercie, je vais vous laisser finir l'apéritif tranquillement avant d'aller voir votre prochain film. Et le premier film pour la demoiselle qui ne veut pas parler. Et puis bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bien faire, c'est super.